potentiel candidat yo xamné lepp ñeu gissé mais entourage ami jot nañ ma wo waxtaan ak man pour ma jappalé man pawma sens interdit fi Sénégal ñepp samay xal bi l'état m'a appelé à travers le ministre de l'intérieur on a largement discuté Abdoul Mbaye on a discuté Il dit, c'est sec, Martin, il dit, ça. La liste est longue. Qu'est-ce que c'est que c'est Parce que, il y a comme tout le monde, en matière de politique, j'ai un parcours à faire. Donc, il y a un chemin, Martin, il y a un chemin. Qu'est-ce que c'est que le football, c'est le major, en bas. C'est bon, comme vous m'avez fait voir. Gis na le temps ici presse bi ñu né dél major en route vers le Mali tam que ce journal ici bon sama xel bi ñu tam dañ may ciokas mané tek rek bu né nak dégg na ko ci réseaux sociaux yi mané tek rek parce que la décision tay la dit té mu nek ben décision bo xamné dama réfléchir bu baax et ba may né di wax kan lay andal Je ne sais pas si Sénégalais ont été très bien collés avec Macky Sall. Le président de la République, je n'ai rien contre le président de la République, c'est un ami, mais pas avec un grand A. Mais il faut tourner avec nous, collés avec Macky Sall. J'ai voté Macky Sall au second tour en 2012. J'étais. La seule femme tête de liste élection législative en 2012 gagne avec 8107 voix sur un faux taux d'abstention. Élection locale, nous avons eu un seul pop, nous avons eu un diable de l'aide et de Fatou. Madame, je change son bureau de vote. Je change son bureau de vote. Je vais vous dossier. À la dernière minute, je vais vous mon dossier. Adina Bidam, ben ñu nek 2018 à 4 mois maintenant de la présidentielle février 24 février 2019. Effectivement, ils m'ont appelé. Mais moi, je peux dire aujourd'hui que je ne vote pas Macky Sall. Je ne vote pas Macky Sall. Je ne vote pas son groupe. Je n'ai pas choisi Macky Sall. Je n'ai pas choisi son groupe. J'ai discuté avec tout le monde. Après beaucoup de discussions, finalement, quel moment me convaincre? L'outil me convaincre, moi. Parce que de fait, il y a un candidat de la rupture, de la réconciliation. Oui, Madi Kenyon. Madi Kenyon, moi, me convaincre. Bini Wartane me parler. Avec son parcours exemplaire. Nous avons dit que nous avons demandé qu'on travaille ensemble. Je l'ai écouté. Il m'a parlé avec tellement de respect et j'ai décidé d'accompagner Madi Kenyon et ses membres. Quand on a dit que nous avons fait ça, nous avons fait ça derrière le major. Macky Sall n'a jamais été derrière le major. Jamais. Macky Sall ne m'a jamais financé. Rien du tout. Être à la presse des sociaux numériques parce que j'ai des stations de radio, je m'ai sacrifié. Donc, de l'autre côté, nous avons fait politique. On va tout droit vers la présidentielle. Avec une grande coalition dirigée par Maître Madi Kenyon, je suis Sibir, parce que je suis un homme et femme politique, je suis Sibir, je suis une coalition pour lui, pour qu'il y ait un temps, il y a un peu de temps.
On a décidé de travailler ensemble pour remporter cette présidentielle de l'Union. Mon ex-Lohamé, j'ai pris cette décision depuis quelques jours et on va tout faire pour remporter la présidentielle. Donc, je vais parler un petit peu en français pour ceux qui ne comprennent pas le wolof avant de prendre les quelques questions des journalistes. Pour des raisons économiques, j'ai retiré ma candidature il y a 15 jours. Après mes réflexions, après avoir retiré ma candidature, tous les partis politiques m'ont sollicité, pratiquement. Le pouvoir m'a sollicité, effectivement. J'ai discuté avec Abdoul Mbaye, d'ISSEC, d'autres candidats, Madi Kenyon. Mais on m'a tellement collé. Macky Sall, partout où je passe, les gens pensent que Ndella est en route vers le Macky. J'ai voté Macky Sall en 2012 au deuxième tour. J'étais la seule femme tête de liste durant les élections législatives de 2012, avec une position de 20 millions, dépensé énormément d'argent. On s'est sorti avec 8107 voix, avec des propositions de loi magnifiques. Mais, durant les locales passées, ils m'ont également sollicité pour que je les appuie à Fatick. Mais à la dernière minute, ils ont retiré mon dossier. Et finalement, j'ai continué mon parcours. Après avoir retiré ma candidature, surtout pour des raisons économiques, puisque s'il y a trop de candidats, c'est excessivement cher pour le trésor public. Un seul candidat coûte plus de 150 millions pour la présidentielle, ne serait-ce que pour les affiches et les bulletins de vote. Donc je me suis retirée sans complexe pour créer un réflexe d'agglutination, comme on dit en médecine, pour permettre la création facile de grandes coalitions qui pourront faire face à la présidentielle du 24 février 2019. Les histoires de parrainage, c'est une histoire tellement facile. 65 000 signatures, c'est absolument rien du tout. On a 602 collectivités locales, c'est 100 signatures par collectivité locale. Je ne vois pas un parti politique qui ne peut pas avoir 100 signatures par collectivité locale. D'accord? Donc, ce n'est pas par manque de signatures que je me suis retirée, c'est pour des raisons d'économie aux contribuables. Maintenant, après le retrait, pratiquement tout le monde m'appelait. C'était comme une audition. Après avoir écouté tout le monde, j'ai décidé d'accompagner Maître Madi Kenyon. Maître Madi Kenyon, on n'a pas besoin de le présenter maintenant. On a largement discuté, et on a pris la décision d'aller ensemble pour la présidentielle à venir et pour remporter la présidentielle. Voilà, donc, chose promise, chose due. J'ai donné le nom de mon candidat, qui n'est pas Macky Sall. Je ne vote pas Macky Sall. Je vote Madi Kenyon. Et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je rappelle qu'on est en direct également sur la Point FM. Oui, vous vous présentez. Bonsoir, je m'appelle Maguel Djemé, je suis journaliste à la CETIP. Oui. Juste pour question, madame, qu'est-ce que justifie votre choix sur Maître Madi Kenyon, s'il vous plaît? Vous pouvez revenir sur ça. Voilà, Maître Madi Kenyon, c'est un homme de consensus. Voilà, c'est un homme de consensus.
un homme de la, moi je l'appelle un homme de la réconciliation. Je sais qu'avec Madi Kenyon, il n'y aura pas de vengeance en, après février 2019. Pensez-vous qu'il est un bon programme politique? Absolument, un programme politique, il a un très bon programme politique. Il y a tellement de problèmes, il y a des problèmes de santé, des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'élevage, au niveau de tous les secteurs primaires, secondaires, tertiaires. Donc, il a un programme et on a un programme commun qu'on va mettre en place, puisque je viens de prendre le train en marche et on s'entend pratiquement sur tous les points. Donc, ce qui m'a le plus plu en lui, c'est que c'est un homme de consensus. Il n'est pas revanchard. Je sais que si les Sénégalais choisissent Macky Kenyon comme président, quelqu'un président de la République du Sénégal, ce ne sera pas un président qui va mettre tout le monde en prison. Ce ne sera pas un président qui sera revanchard, qui va mettre immédiatement Macky Sall en prison. Donc, parce que je vois des candidats qui vont mettre Macky Sall en prison le lendemain de la victoire. Voilà. Donc, c'est un président de consensus, de réconciliation, et qui a un bon parcours politique. C'est un pater. C'est un pater qui va diriger le Sénégal avec beaucoup de générosité. Merci. Voilà, oui, présentez-vous. Bonjour, madame. Je m'appelle Ibrahim Adjou du site info24.com. Vous êtes dans quel jour? Info24. Info24. Oui. Il semblerait que Maître Modika a déclaré que si Karim se présente, il va retirer sa candidature. Absolument. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas de figure? Écoute, je suis avec Modika. Si tu tournes à droite, je tourne à droite. Si tu tournes à gauche, je tourne à gauche. Si tu restes sur place, on reste sur place. Si effectivement le Karim Wad, sa candidature est maintenue, on est tous derrière le Karim et Abdoulaye Wad. Voilà. Maintenant, si le cas contraire se pose, écoute, on suppose qu'ils seront derrière nous. D'autres questions? Bonsoir tout le monde. Pierre, ne partage les vidéos, oui. Partagez les vidéos. Conférence de presse, mais ici, live sur Facebook. Sur les partages et vidéos, il est de notre santé. Bonsoir, madame. Mm-hmm. Je me présente, c'est Moussa Soudjam. Oui. De infodesjours.sm. Oui. Voilà. Ma question est la suivante. Bon, votre candidature est une candidature de rupture. L'espoir pour les femmes. J'avais beaucoup d'espoir pour vous. Et aujourd'hui, vous avez renoncé à votre candidature. N'aviez-vous pas, d'une part, en fait, dessus ou bien suspendre des femmes qui portaient beaucoup d'espoir pour vous, en fait, pour qu'un jour une femme en fait, puisse accéder à la magistrature suprême? Ma deuxième question est que vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas le parrainage qui est blocage. Bon, en réalité, vous avez dit tout à l'heure vous avez eu 8000 voix. En 2012. 2012. Et on sait qu'en fait, pour avoir le parrainage complet, au minimum 54 000 voix, c'est loin des 8000 voix que vous aviez. Mm-hmm. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas le blocage? Mm-hmm. En fait, la question est venue. D'accord. Dès le moment du candidat à la présidentielle, ça a plu à beaucoup de femmes. Donc, quand je me suis retirée, beaucoup de femmes étaient en colère. Même jusqu'à hier, il y a des femmes qui n'étaient pas du tout d'accord. J'ai pris cette décision courageuse, sans complexe, pour accompagner Madi Kenyon. Parce que Madi Kenyon soutient également les femmes. Avec Madi Kenyon, on aura un gouvernement paritaire. Actuellement, la parité s'applique à l'Assemblée nationale. On a une parité élective. Elle n'est pas encore nominative comme en France. Donc, avec Madi Kenyon,
Donc les femmes seront très 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 bien représentées dans le gouvernement. Donc c'est pourquoi j'ai sans hésiter choisi Madi Kenyon, puisqu'il est pour un gouvernement paritaire. Donc les femmes n'ont pas à se plaindre. Il y a tellement de femmes cadres au Sénégal. Tellement de femmes cadres mises au frigo. Toutes les femmes cadres au Sénégal, elles sont mises au frigo. Alors qu'elles pouvaient tellement apporter donc, dans le développement de ce pays. Où sont les femmes? On ne les voit pas. Si on voit des femmes, elles sont de niveau moyen. Donc avec Maniké, on verra l'arrivée des femmes cadres dans le gouvernement pour développer ce pays. Maintenant, concernant votre question sur le parrainage. Le parrainage, ça n'a rien à voir avec le nombre de voix que j'ai obtenu en 2012. 2012, on a fait les législatives de 2012, 15 jours après la présidentielle. On n'avait même pas le temps de nous préparer. On était 24. C'était 24 listes. C'était extrêmement difficile. Et il y a un faible taux de participation, si vous vous rappelez. Voilà. Donc, cette fois-ci, on les a donné 6 mois pour collecter. 6 mois pour collecter des signatures. Donc, on a nos collecteurs répartis au niveau des collectivités locales. Madiké a ses collecteurs. J'ai mes collecteurs. Les autres membres de la coalition ont leurs collecteurs. C'est ça. Donc, moi, quand je suis venue, je viens avec mes signatures. Donc, je n'ai pas encore déposé, puisque. On dépose, la date de dépôt c'est le 16, c'est du 16 au 26 décembre. Donc il nous reste pratiquement plus d'un mois pour continuer de collecter et puis battre une pré-campagne électorale puisque le parrainage c'est pratiquement une pré-campagne électorale. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Bonjour madame, c'est Machine Wolf Quotidien. Oui. Oui, on aimerait savoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce soutien avec Maniké? Est-ce que vous avez scellé des accords ou pas? Une autre question sur... Vous avez annoncé une grande coalition. Est-ce qu'on peut savoir l'appellation de cette coalition et les autres responsables qui seront dedans? Il y a beaucoup d'autres responsables qui sont dedans. Je peux me permettre de dire qu'Arina Tolodjia est avec nous. Il y a d'autres également. Je leur laisserai le soin de faire leur conférence de presse. Amnouyo Khamesdal, vous pouvez imaginer. Pourtant, il est de l'autre côté, mais il est mis sur nous. D'accord? Donc, c'est une coalition de dernière minute qui va terrasser de Béba Bokayaka. Voilà. Donc, on va gagner cette présidentielle. Et le président Macky Sall ne sera même pas au second tour, il sera troisième. Si les choses se passent correctement, il sera troisième. Quand on vient dans une coalition, effectivement, il y a des accords. On discute les Martin du monde. Voilà, on discute et on tombe d'accord sur un programme pour diriger ensemble ce pays qui a maintenant du pétrole, qui a du gaz, qui a des ressources minières, qui a l'océan Atlantique. Vous imaginez la chance qu'a le Sénégal, on a l'océan Atlantique. C'est un trésor, l'océan Atlantique, qu'on néglige. On a des plages magnifiques. On a le fleuve Sénégal, magnifique. Donc ce qu'on a et qu'on est en train de négliger, maintenant, avec notre programme commun, on va développer facilement le Sénégal. Effectivement, c'est un accord. Donc on est tombé d'accord sur un bon plan d'action. Et